Hey, ça va? Bah, me répondez pas, je m'en fous. Hello, good morning. It's time to wake up. I hope you're good today. Aujourd'hui, j'ai arrosé mes plantes. J'ai changé mes draps, fait mes lessives. Une journée un peu chiante, quoi. Ah oui, j'ai refait mon masque. Et j'ai bu beaucoup de café aujourd'hui. Prendre le temps de prendre son temps. On pourrait croire ça facile pendant le confinement. Mais c'est pas le cas. Pas besoin de préciser que fumer est mauvais pour la santé. Nous sommes le jour 19 du confinement. Personnellement, je commence à en avoir marre. Ça commencerait à faire un petit peu lent. Mais bon, avant de commencer cette vidéo, j'ai un peu de travail à faire sur le logo d'une cliente. Donc je me retrouve juste après. Bien entendu, si vous avez besoin de communiquer sur n'importe quel support, contactez-moi. Bon, j'avoue, je peux pas m'arrêter de bosser. Mais en même temps, si je fais pas ça, je regarde une vidéo YouTube. Et si je regarde une vidéo YouTube, après je décroche et je peux plus travailler. Aujourd'hui, on va voir comment faire un petit bonhomme dans une épluchure de clémentine. C'est grave la saison, ça sent super bon, on adore, ça donne des vitamines pour l'hiver, c'est super. J'ai vu ça sur une vidéo TikTok et ça m'a fait beaucoup rire. En gros, l'idée, c'est de prendre... Vous voyez, là, normalement, il y a la tige de la clémentine ou mandarine, d'ailleurs, j'en sais rien. On s'en fout. Et là, donc, vous avez le cul du fruit. Et donc, l'idée, c'est que là, ce sera aussi le cul de notre bonhomme, pour dire franchement les choses. On va venir créer des jambes à notre bonhomme. C'est vraiment une activité pour briller au dîner de Noël. On vient faire la deuxième jambe. Libre à vous de créer un personnage plus ou moins rigolo. Donc là, j'ai fait mes deux petites jambes. Je sais pas si on va voir très bien, mais vous verrez mieux quand je vais l'enlever. Donc là, on a le bassin. Et on va venir faire le haut du corps. Attention à ne pas vous couper avec le vecteur. On va le faire lever les bras comme s'il venait de gagner la coupe du monde. Hop, le deuxième bras. Toujours le point levé. Pardon. Hop, attention à ne pas le décapiter. Et je vais lui faire une grosse tête. Et voilà, maintenant que mon découpage est fait, il va falloir enlever la peau délicatement pour surtout ne rien casser. Hop. Ouh, là, ça va être la partie délicate. C'est vraiment n'importe quoi, mais j'adore. Coucou! C'est génial! C'est un bonhomme qui fait un câlin à une mandarine. Ou clémentine. Alors là, c'est la partie où on va découvrir son petit zir. Ah, bah, il aura un trou du cul. Il y a un petit trou. Regardez, on peut voir par transparence. J'espère que c'est pas flou. Et donc, on continue à le décoller. L'homme prend vie. Ça me fait trop rire, c'est génial. Juste ça, c'est cool. Mon petit bonhomme. Bon, il est un peu disproportionné, hein, mais c'est mignon. Voilà. Elle était géniale, cette activité, aujourd'hui. Vous pouvez créer mille choses en découpant une clémentine, comme quoi on peut même s'amuser en prenant notre dessert, en créant avec des objets du quotidien. Les zombies. C'est pas bien de jouer avec la nourriture, mais là, c'est une épluchure, donc on s'en fiche, en fait. Trop bon. J'espère que cette activité vous aura plu, qu'elle vous donnera beaucoup d'idées. Et que vous saurez le reproduire chez vous, sans vous couper les doigts. Je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à demain. À bientôt !